renseigner 2 minutes, s'il te plaît. J'ai quelque chose à te dire. Donc, Madame Gravel, je sais pas si t'es au courant, mais il y a un nouveau projet qui circule présentement à l'escale. C'est un projet dans lequel les élèves doivent choisir un prof en particulier qui les décourage, et bien, ils s'adressent à eux. Ça s'appelle hashtag tu m'exaspères. Et donc, oui, Madame Gravel, c'est toi que j'ai choisi comme prof qui me décourage le plus. Madame, ton surplus d'énergie m'empêche de dormir en classe lors des matins après avoir passé toute une nuit à travailler sur un de tes projets. Et madame, tu es toujours là pour répondre à mes questions quand je me mélange entre les 4-5 travaux que j'ai à te remettre en même temps. Je voulais surtout te remercier de me préparer à mon parcours universitaire en me faisant déjà pleurer à propos de l'école et tous les travaux que je dois te soumettre. Je pourrais t'écrire un texte de 10 pages te remerciant pour tout ce que tu fais pour faire tes élèves perdre tout sens de connexion humaine, mais vu que je suis déjà assez découragée à cause de mon ASU, on va laisser faire, hein? Ah, oh, ça me fait penser, t'as pas vraiment remis un plan pour ton ASU. Fait que c'est ça! Tu m'exaspères, et j'espère que tu vas continuer d'exaspérer tout le monde autour de toi pour montrer à quel point l'école est difficile. Merci, madame! Monsieur Yannick Tessier. Qu'est-ce que tu veux, Trevor? C'est Brody McCavick. Il y a un nouveau projet dans l'école. On s'assoit un avec le prof qui nous décourage le plus. Ça s'appelle « Tu m'exaspères ». Fais oui, je te remercie toi pour toutes les insultes que tu me donnes. Ceci m'aide à me renforcer et ne plus pleurer à chaque fois que je reçois des insultes. De plus, merci pour toutes les fois où tu m'as ignoré quand j'étais à ton pépite pour demander mes questions très pertinentes. Ceci a aidé mon autonomie et mon éducation. De plus, je te remercie de m'aider à mon cheminement vers l'examen final. Grâce à toi, j'ai été capable de compléter l'examen. J'espère que tu vas continuer à décourager les élèves avec le Kohlademer et à piéger le monde à prendre ton cours de droit 12e pour bénéficier à leur éducation. Monsieur Tessier, tu m'exaspères. Excuse-moi, tu peux-tu répéter? Je t'écoutais même pas. Monsieur Péloquin. Il y a un nouveau projet à l'école où les élèves doivent choisir un membre du personnel qui rend leur vie difficile. Ce projet se nomme hashtag tu m'exaspères. Monsieur, après avoir pris 3 cours avec toi, je peux te confirmer que j'ai jamais dormi dans ton cours. En partie parce que c'est physiquement impossible quand tu parles fort de même. Tu sais, juste à cause que tu parles 3 langues, ça veut pas dire qu'il faut que tu parles 3 fois plus fort. Ça marche pas de même. En tout cas, monsieur, regarde, on sait que t'es passionné, puis on l'apprécie ton enthousiasme, mais on n'est pas sourd. En tout cas, souvent, tu sais, je décidais d'aller à la biblio pour de la paix, mais je t'entendais pareil. Y a pas de façon de se débarrasser de toi. Tu sais, Shakespeare, là, il est mort. Alors, reviens-en! En tout cas, grâce à toi, là, je comprends le danger de la surconsommation de café. Donc maintenant, au moins, je sais de pas commencer à boire du café. En tout cas, c'est pour ça que je t'ai choisi. Tu me décourages, puis tu m'exaspères. Merci. Are you f***ing kidding me? What the hell, man? Come on!